C'est l'histoire d'un jeune qui part avec son épouse dans la bijouterie. Ok? Il part pour gâter madame. Il est amoureux, il l'aime, c'est son droit. Hein? D'accord? Il s'est marié dans le halal. Et il prend sa maman, tu sais pourquoi? Pour qu'elle puisse garder les enfants et que lui, il se balade comme un pacha dans les rayons. D'accord? Donc les tâches les plus pénibles, ingrates, tiens maman. Peu importe ton âge, tu vas te débrouiller avec ça. Ok? Puis il rentre dans la bijouterie, il gâte madame, c'est son droit. Puis à un moment donné, le bijoutier lui dit, tiens, ça c'est la bague de ta mère. Il lui dit, mais ma mère, elle est vieille, quelle bague? Enlève ça. Elle a entendu les propos, elle est partie les attendre dans la voiture et elle a fondu en larmes. Sa femme, mashallah, lui a dit, mais t'es sérieux ce que tu viens de faire là? Remise en question, etc. Ça l'a piqué, il est parti pour lui demander pardon, il lui a acheté la bague. Elle lui a dit, mon fils, jusqu'à ma mort, je ne porterai plus un seul bijou. Il lui a déchiré le cœur. En fait, ce que les gens ils oublient beaucoup, c'est qu'une blessure, ça ne se répare pas facilement.